Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Madrid une fois de plus pour protester contre un gouvernement nouvellement formé, porté au pouvoir par une loi de division accordant l'amnistie à des centaines de séparatistes catalans. Pedro Sanchez a prêté serment pour un nouveau mandat vendredi en tant que Premier ministre devant le roi Felipe VI au Palais Royal, promettant de remplir fidèlement ses obligations et jurant fidélité au roi et à la Constitution. Monsieur Sanchez a remporté un vote au Congrès jeudi, mettant fin à près de 4 mois d'impasse politique. Mais pour ce faire, il avait besoin du soutien des séparatistes catalans, qu'il n'a obtenu qu'en accordant l'amnistie. Cette décision a suscité la fureur générale, un sondage montrant que 70% des Espagnols étaient opposés à l'accord. Ce gouvernement ne peut pas durer. Les séparatistes ont leur botte sur son cou et il ne peut rien y faire. Nous sommes à la merci des gens qui haïssent l'Espagne. Nous devons continuer à porter le combat dans les rues, protester même lorsque nous sommes au travail. Nous devrions appeler à une grève générale. Tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire. Nous devons être actifs. Pedro Sanchez a promis d'unir le pays et de rassembler les factions régionales pour ouvrir un nouveau chapitre de la politique espagnole. Il s'agit d'un gouvernement légitime, démocratique et constitutionnel dont le pouvoir est limité par la loi et par un mandat temporaire. Lorsque nos citoyens votent, ils choisissent démocratiquement l'époque, le gouvernement et l'opposition. Alors que Carl Puigdemont et d'autres architectes de la déclaration unilatérale d'indépendance catalane de 2017 s'apprêtent à rentrer d'exil en Espagne, la tension reste vive. La colère s'est répandue dans les rues avec des nuits d'agitation autour du siège du Parti socialiste. Quelques jours seulement après sa formation, les gens ici disent qu'ils continueront à se battre jusqu'à ce que ce gouvernement tombe.